Bonsoir et bienvenue dans ce débrief à vif. Un débrief à vif que l'on va faire avec une mentalité frappée de la défaite toulonnaise à la maison face à une équipe de Concarneau qui aura fait le match qu'il fallait pour d'une part marquer son but puisque elle s'est créée quelques occasions mais occasion franche, finalement, il y en a très peu, c'est peut-être la seule. Non, il y en a une autre. Il y en a une autre, ouais. Crochet. Une grosse, hein, ouais. Celle de Benali. Benali, c'est ça. Ouais. Les crochets qui reviennent derrière, ouais. Pas à côté. Ouais. Après. Ouais. Il y a le tir aussi. Il y a le tir. Ouais. Aussi, quand Andréani pousse du pied, et elle a la cage totalement ouverte, il met... Ouais. Exact, c'est vrai. Donc, toujours est-il que le Sporting a perdu. Concarneau a eu des occasions, le Sporting a poussé en seconde période. De mémoire, il me semble que Toulon ne frappe pour la première fois au but qu'à la 33e minute. C'est ça. 33-08, me semble-t-il même. C'est pas cadré, je me dis. Ouais, ouais, c'est pas cadré, de toute façon. Il n'y a rien de cadré. Je crois qu'il y a un tir cadré, je crois, sur la soirée. Voilà, donc c'est très inquiétant. Ça a été, on s'en est aperçu en allant faire l'interview de Baudin Coué que c'était le feu hein, au club, hein, très clairement, avec l'annonce d'une réunion de crise, etc., etc. Voilà, on voyait beaucoup de monde s'agiter. Mais finalement, j'ai envie de dire qu'on récolte ce qu'on sème. Voilà. Ce soir, moi, je suis relativement en colère parce que j'ai le sentiment... Enfin, mon ressenti, en tout cas, c'est que voilà, il y a deux types qui jouent depuis le début de saison et peut-être même avant le début de saison avec mon Sporting, notre Sporting, le Sporting des supporters. C'est Claude Joy qui est omnipotent, omniprésent. Voilà, à un moment donné, il va falloir qu'il apprenne de ses erreurs et que peut-être il accepte enfin de. De rester à sa place, tout simplement. Et puis, c'est Fabien Pujol. Hein. Voilà, ce soir, encore une fois, voilà, moi, je comprends pas sa composition. On finit le match à 6 attaquants, me semble-t-il. Enfin, voilà, avec un seul milieu qui était moulé. Voilà, donc moi, je bref, voilà. J'ai l'impression... De voir deux gamins qui jouent à celui qui va pisser le plus loin. Voilà. Avec un coach qui envoie tout un tas de signaux, hein, que ce soit en ne mettant pas un gardien sur le banc. Mmh. Et puis en ayant un maximum d'attaquants plutôt que d'avoir des milieux, par exemple. Voilà. Et puis après, Claude Joy, on a dit ce qu'on avait à dire lors du dernier Rascal Show. Voilà. Voilà, donc messieurs, je vous passe la parole. ça se bouscule pas. Ouais. Non, mais moi, c'est pas dans des moments comme ça où j'ai envie de trop charger la mule. Bon, je vais quand même vite évoquer. J'ai fait espèce sur le forum de marquer avant ce que je pensais, parce que après, on pourrait me le reprocher. Donc, Fabien, on peut dire, est. Ce soir, pour une grande chance d'être peut-être écarté. Bon, on peut dire qu'il est mort avec ses idées. Et ses idées, force est de constater qu'elles n'étaient pas bonnes, tout simplement. Parce que, voilà, quand je vois encore ce soir, voilà, j'ai pris Gomis, alors que ça paraissait évident de mettre Comé pour avoir un vrai milieu, avec des vrais milieux terrain. Bon, on invente Gomis au milieu de terrain, donc tu avais un 3-5-2 déjà avec 5 attaquants, ça me perturbait un peu. Le gardien, bon voilà, Fabien décide de pas mettre le gardien, moi je trouve que c'est grave. Alors, même si c'est rien passé, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de clubs qui feraient ça. Prennent ce type de risque. Ouais. Et ça c'est Fabien. Ça fait 15 joueurs de champ, sur 15 joueurs de champ, tu avais 8 attaquants sur la pelouse et sur le banc.
Bon, c'est des détails, mais c'est des détails qui sont révélateurs de quelque chose. Voilà. Bon, ça n'a pas marché parce que, de toute façon, j'ai rien dit cette semaine, mais il y avait une ambiance, c'était assez bizarre d'ailleurs. Mmh. Une ambiance presque euphorique, ça y est, on s'était rendu compte qu'il fallait faire deux séances, ouais, on va faire en fin de séance de physique, comme si on allait rattraper en une semaine le temps des trois mois de perdu. Mmh. Une espèce de discours de confiance, on avait fait un bon match à Créteil, ouais, bon, maintenant on reçoit Concarneau, allez. J'ai l'impression que beaucoup pensaient avoir gagné ce match avant de le jouer, on décide jamais de gagner un match, on décide de tout faire pour le gagner. On décide jamais de gagner un match et un adversaire, ils ont fait le match qu'il fallait, sans grand moyen, avec un petit Benali quand même pas mal. Voilà, bon, on va s'arrêter là sur ça, et puis après, y a tout le reste, on récolte ce qu'on sème, hein, ben oui. Il n'y a pas de hasard. C'est tout un fonctionnement qui est, je pense, qui éclate un peu ce soir un jour sur toutes les carences et les dysfonctionnements. Après nous, on est là, hein, on est des observateurs, on peut malheureusement rien faire, juste pointer, le dire et puis c'est tout. Si on a un mérite, je pense, c'est qu'on est, peut-être les seuls à tenir ce discours, mais depuis assez longtemps, hein, ouais. Déjà, c'est au-delà même de nos émissions. Et quand je vois que d'autres vomissent maintenant, alors qu'ils ont été pleins de courbettes il n'y a pas si longtemps que... Voilà, ça me fait un peu... ça me fait même pas rire. Non, c'est triste. Je tombe pas de la chaise en même temps. Donc voilà. Et puis maintenant, je pense que... Il y a la Coupe de France, donc il y a 15 jours avant le prochain match, il va falloir prendre des dispositions, mais les bonnes, mais on ne sait pas lesquelles, et on va suivre ça de près. Au niveau de la Coupe de France, en général, on remarque que tous les clubs de national qui font un mauvais championnat vont souvent très loin en Coupe de France. Oh, au moins peut-être pour nos finances, faire un bon parcours en Coupe de France, pour un peu embellir le sportif, parce que là... Bah, disons que si effectivement cette Coupe de France servait à... De point de départ. Voilà, de point de départ pour un renouveau dans l'opération maintien qui semble de plus en plus compliqué à atteindre. Concarneau a 7 points de la base. Voilà, tout à fait. C'est le premier de Noroligan, Concarneau. Non. Du coup, il faut faire un petit bon... 4 ou 5 points du premier de Noroligan, je crois. Je pense qu'on est... Ça commence à faire beaucoup. Ça veut dire que pratiquement deux victoires. Ça veut dire que faut que tu gagnes deux fois et le premier lauréat, il faut qu'il perde au moins deux fois. Mais bon, à ce tarif-là. Et quand tu vois, je ne sais pas, le nombre de sanctions qu'il va y avoir. Mais quand on voit. Un carton rouge ce soir. À Avranches, c'est une équipe qui tourne fort. Franchement, avec le nombre d'expulsés qu'on risque d'avoir. Mais ils tournent fort surtout à l'extérieur. Parce que, entre guillemets, parce qu'en ce moment, nous, on est. Ils sont pas bons à prendre pour nous de toute façon, mais a priori ils sont meilleurs à prendre. Enfin, je préfère aller là-bas que les recevoir pour le coup. Celui de Rouen, je comprends, et celui de Morgane. Celui qui me s'agresse, c'est Morgane. Ce qui est ennuyeux, c'est que si on voit que c'est un gamin de 21 ans, c'est lui, ce jeune qui devrait être poussé par. Peut-être, j'irai pas les anciens. C'est lui qui pousse tout le monde de l'avant à l'arrivée des courses. C'est lui qui tire l'équipe de l'avant et à l'arrivée des courses. Et qui sont énervés, le stress, ça se comprend. Que ça dit Jean. Mais c'est malsain. C'est malsain. Dès le départ, je te l'ai dit. Hein. Voilà, je sentais que ce match, il allait dégoupiller. D'une part, parce que l'arbitre avait tendance à tout siffler. Alors après, je ne mets rien sur le compte de l'arbitre, si ce n'est qu'effectivement, il sifflait absolument tout. Mais semble-t-il, c'est ce qui se produit en national. Il me semble que c'est Chargui qui disait ça dans le matin, que ça sifflait beaucoup plus en national des fautes. Voilà, donc... Mais bon, il y a une très grosse faute sur Morgane, et je dis pas ça pour l'excuser, parce que
il n'a pas à faire le geste qui fait. Ouais, mais voilà, c'est suffisant pour moi je ne lui en veux pas parce qu'il se donne tellement sur le terrain. Je ne lui en veux pas. C'est que après à un moment donné, entre bon, la faute qu'il subit et puis de voir que c'est lui qui doit tout tirer. Ah ouais, non mais c'est pour ça, voilà, c'est ce que je voulais dire. Je voulais essayer de mettre en lumière le pourquoi du comment, quoi. C'est la frustration qui le fait dégoupiller. C'est ça, ouais, mais comment il fait très peu, hein. Ouais. Suffisamment pour un deuxième jaune. Il sera indulgent sur la sanction. Ouais. Non, mais c'est un deuxième jaune. C'est un jaune et jaune, normalement, c'est un match. Ouais. Mais après. Donc il devrait voir la Normandie. Ouais, ouais, bah, espérer. Ouais, tout à fait. Je pense. Voilà, et ça serait mieux pour nous. Et Chargui qui prend aussi un rouge alors qu'il venait de qu'il était sorti. Oui, c'est plus embêtant parce qu'il était sur le banc. Sûrement, ouais. Sûrement des paroles quand il est sorti. Ouais, je pense que là, c'est si ça. C'est des paroles, c'est plus embêtant. Et puis bah, après, le sous-marin, c'est rouge direct, que lui, t'arrives, il risque d'être lourd. Hein, si c'est... Ah ouais, c'est tac par derrière, me semble-t-il. Ouais, ouais, donc, Mais ouais. Mais c'est tout un cumul. Bien sûr. Moi, j'en ai mort pas. Depuis le début de. Bon, pas les moi, je joue plus les deux premiers matchs. Moi, pour moi, le premier, ça part d'Ajaccio, les mauvais choix criants, etc. Au fur et à mesure, moi, je trouve que cette équipe, on voit les joueurs sont perdus, ils ne jouent pas à leur poste. On les fait jouer pas comme on devrait. Enfin, on était convalescent, voire malade, quand on rentre sur la pelouse ce soir. On est coma. On est sur notre parcours. On est coma. On vient de faire match nul à Créteil, mais avant, il y avait deux défaites. Des défaites. On est avant-dernier ou avant-avant-dernier, je ne me rappelle même plus. On est quand même malade. Quand t'es malade, tu joues, tu fais un marathon. Voilà. Quand t'es malade, tu joues avec 5 joueurs à vocation offensive. Je sais pas, moi, il y a quand même. Moi, je pense pas, non. Voilà. Déjà, trouver le bon remède déjà pour essayer de ne pas le perdre, de ne pas prendre de but. Non, mais voilà, je pense qu'il faut être pragmatique. Ça. Être bien sur ses bases, etc. Mais rien de tout ça, il y a eu rien de tout ça. Comme t'as dit il y a 5 minutes, oui, t'as dit dans la foulée de Créteil, ils ont dû dire on a fait un bon nul à Créteil. Voilà, et ça y est, quand ils arrivent, ils sont juste devant nous, on en prend 3 points ce soir. Voilà. Le football, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Jamais. C'est triste parce que depuis le temps que je connais ce club, je supporte ce club, de le voir comme ça, c'est triste. Et je me répète encore une fois de plus, je prie le bon Dieu aujourd'hui qu'on ne tombe pas. Parce que si on tombe. Ah ben. Ah ouais. Le Sporting, on risque pas de le revoir de sitôt. Ça sera un bon niveau pour plusieurs. Le problème, c'est que voilà, c'est, tomber, c'est, ça peut ne pas être grave. Il y a des équipes, on le voit, hein, comme Metz, comme Caen, qui n'arrêtent pas de faire l'ascenseur, mais ils arrivent toujours à rebondir. Mais ils ont des structures. Nous, le problème, c'est qu'on est sans structure. Alors, c'est sûr que si on retombe, là, c'est sûr qu'on a des soucis à se faire. On peut dire qu'on en a encore au moins pour 10 ans. C'est ça. Ouais. L'inquiétude est là, quoi. C'est jamais quand on remonte. C'est ça. Et puis, après maintenant, voilà, la question est là, par contre, voilà, c'est de savoir vraiment, j'aimerais vraiment réellement savoir ce que pense l'actionnaire. J'aimerais bien qu'il puisse en dire plus, si voilà, parce que maintenant, il ne faut plus qu'il se cache. Vu le classement, voilà, on risque de descendre actuellement. Qu'est-ce que vous faites, monsieur Joy, l'année prochaine? Vous restez, vous nous laissez tomber? Voilà, j'aimerais avoir une réponse. Mm-hmm. Ouais. Pour revenir au match, hein, puisque c'est le propos de l'émission, ce qui me chagrine vraiment, c'est de constater que... alors, il y en a plein qui vont me dire, oui, on s'est créé des occasions... C'est vrai. Mais... Tout à fait. Mais malgré tout, on a une propension à... La manière qu'on les loupe, c'est voilà, c'est ça. Hein, c'est et puis honnêtement, révélateur de quelque chose. Voilà. Ce soir, honnêtement, vous pouvez juger le gardien de Concarneau s'il est bon ou pas bon. Pas du tout. Voilà, on aurait mis un goal. De garder deux fois. Voilà, je veux dire, c'est ça le problème, c'est qu'on sait que le nôtre est bon, mais quand on joue contre les autres, on ne sait jamais si l'autre gardien en face il est aussi bon que le nôtre. Ouais. Comme dit Manu, toutes ces frappes à côté, au-dessus, sur le côté. C'était un signe, manque de confiance. Ah oui, très certainement. Il y a quelque chose. De toute façon, je ne démords pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. On a voulu faire croire, moi, les joueurs à Créteil, ils avaient fait un match pour eux, pour les supporters, pour le club. Mais ça, les joueurs, moi, je ne démords pas. Je suis peut-être mal placé pour le dire.
C'est un ressenti, on les observe quand même depuis un moment, hein, maintenant. Si je me projette même sur le stage de champion de Sorignon, même pas ce qu'on a fait cette 2018, année. 2018. Hein. Même, je ne suis pas sûr que les joueurs étaient vraiment derrière leur coach. Ça n'engage que moi. Hein. On ne va pas me... Pas me jeter la pierre. Depuis quelques matchs plus. Non, depuis l'année dernière. L'année dernière, déjà. Ah oui, déjà. Ouais. Non, mais oui. Les joueurs ne se battent pas pour le coach, mais c'est quand je dis ça, c'est, pour moi, c'est un constat. Mais c'est pas. Voilà. Une fois que j'ai dit ça, j'ai rien dit. Mais voilà. Mais. Ouais, et puis. Non, mais je suis quand même un peu. Ce soir, malgré tout, sur Fabien, parce que. Avec ses... Alors, ça a été. Oui, on fait la possession. Bon, après, ouais, bon, c'est cohérent face à des équipes qui sont statut pro. Là, depuis quelques temps, c'était. On est troisième. Alors, ça, moi, ça me fait halluciner. On est troisième si on faisait le classement à la mi-temps. J'ai jamais entendu des conneries pareilles. Pour moi, c'est inaudible, ça. C'est inaudible. T'as fait 10 matchs, aucune victoire, t'étais avant-dernier, oui. Et t'oses parler de ça. Mais si tu le dis vite fait dans ta phrase pour dire t'es pas loin, ça va, mais tu le dis presque comme un argument, presque tu mets les critos, regardez, on est troisième. Alors que ça devient encore plus la haine qu'après l'heure de jeu. C'est même plus grave. C'est plus grave, quoi. C'est même plus grave. Justement, c'est encore plus grave. Justement, c'est encore plus grave. Ça rend fou, quoi. Si le maintien est à 40 points, ouais, on va mettre la barre un peu en dessous, 38-39, on va dire, allez, 37, avec un peu de gentillesse. Mais 31 points. 31 points, on veut les prendre où ? Ouais. Contre qui ? Ah, mais tu gagnes 10. Tu ne les gagneras pas comme ça, il faudra changer. Parce que les gens disent, concrètement, c'est pas bon, même contre Majeu, comme on joue actuellement, ouais, même contre le Puy, on ne prendra pas de points, même contre Quevilly qui sont derrière. Ouais, mais c'est bien de prendre les gens pour des cons, ouais. Personne n'est bon, mais nous. On est moins bons que les pas bons. Parce que eux, ils passent pareil pour nous. Hein. Tout le monde, c'est bidon, ils doivent dire. Et puis, tout le monde, c'est nul. Hein. Bah, évidemment. Parce que les gens, là, sur les font des grands sourires, ouais, mais vous méritez le nul. Une fois qu'ils sont dans le bus, tous. Que ce soit Concarneau ou ailleurs, hein. Tout le monde, on peut y aller. Hein. Oui, et puis. C'est minimum point, tout le monde. Il n'y a jamais personne qui a été champion ou en impressionnant. J'entends souvent, oh, ils m'ont pas impressionné. Bon, on n'est pas là pour impressionner. Non. Si tu gagnes ou tu perds, il y a un classement, et puis basta. Puis, moi, je me rappelle une année. Ça remonte, hein. Mais de l'époque de la division 1, quand il y avait Toulon et Marseille, moi je faisais, quand Toulon se déplaçait, j'allais voir les matchs à Marseille. Et je peux dire que certaines équipes que je voyais, par exemple, qui m'impressionnaient à Toulon, j'allais les voir à Marseille, ils ne m'impressionnaient pas. Et certaines équipes que j'avais vues à Marseille m'impressionnaient, surtout à l'époque du Grand Marseille, quoi. Je dis, ils vont venir à Toulon, bah, on risque de prendre. Ouais, les matchs ne ressemblent jamais à l'autre. Quand on a beau regarder toutes les équipes, les matchs d'une contre une équipe à une autre, c'est jamais pareil. Hein. Tu regardes par contre son classement, et puis ça en dit ce qui est. Les qualités d'une équipe, là, comme Carlo, ben voilà, ça paye pas de mine, mais voilà, c'est. Ça prend des points extérieurs. C'est peut-être moins bon à la maison. C'est pas les super attaques, mais c'est solide. Concarneau ou d'autres, ouais. Parce que là-bas, ils prennent des points à voilà, on apprendra à jouer au football à personne. Voilà. Et voilà. Et puis. Et puis, c'est ce que tout le monde aurait dû se mettre dans la tête, là. Au niveau de l'encadrement et tout, c'est de penser, on est monté, mais on est monté juste, on n'est pas monté de la marge. Hein. On aurait dit que quand on est monté, c'est bon, c'est nous, c'est Toulon, on arrive. Non. Ouais, il fallait penser qu'on n'est pas monté de la marge, on est monté vraiment juste. Hein. Ça s'est joué jusqu'à la dernière journée. Hein. On pensait peut-être avoir fait le plus dur. Complètement. Oui, d'arriver dans l'antichambre du. Peut-être qu'on a un peu tout décompressé. Pro, il y a peut-être effectivement. Une espèce de relâche psychologique. Oui, surtout que la saison a été dure, hein, en National. Mais complètement, ouais. Oui, je pense. Ce qu'il y a, c'est qu'en National 2, t'avais cette marge où t'étais un des meilleurs budgets, donc c'est ça. Avec un effectif largement supérieur. Donc, quand ça allait mal, ben, tu pouvais un peu te reposer sur. Mais cette année, pour moi l'effectif n'est pas spécialement en dessous. Mais il n'est pas au-dessus pour ça. Il n'est pas au-dessus. Donc, si l'encadrement, si dans le club ça fonctionne pas bien, ça rejaillit sur le terrain, sûr. Forcément. C'est une évidence. Et voilà. Et donc, maintenant il faudra. C'est malsain, parce que je ne vais pas citer de nom. Un membre du staff de Concarneau qui a entendu des trucs avant le match, un peu dans les couloirs, la bruit de couloir, c'est la marmite est en train de bouillir, c'est pas simple.
On le sait, nous on le sait. Moi, j'ai dit, quand on met des armes, la personne, j'ai dit, tu m'apprends rien. On le sait, nous. On le sait. Il a vu, entendu des trucs, il a vu des trucs. De toute façon, on entend des trucs tout le temps. C'est impressionnant, la vie. Ah ouais, non, mais c'est sûr. C'est sûr. De toute façon, on n'arrête pas de le dire. Hein. Il n'y a pas de sérénité dans ce club. En tout cas, au niveau de la SASP et de l'équipe 1. Peut-être que dans les autres catégories, oui, parce que quand on voit le travail que fait Sif avec ses 19 ou d'autres coachs dans d'autres catégories, voilà. Mais peut-être parce qu'il n'y a pas, l'omniprésence de l'actionnaire. Si, peut-être au niveau des 19, parce qu'il tient absolument à cette catégorie, aux 19 nationaux, mais... On a quand même l'impression que Sif travaille seul. Là, il est peut-être qu'il est tout ça. L'actionnaire doit peut-être demander au niveau des résultats, mais je connais son Sif depuis pas mal d'années. Je pense que Sif, il ne doit pas embêter. Non. Il travaille seul, Sif. Sif, je le connaissais, Youssef, il travaille seul. Et puis là, maintenant, moi, honnêtement, le président, jusqu'à maintenant, il a fait, je veux dire, il nous a parlé que de sous. Maintenant, voilà, si vraiment il parle que de sous et qu'il aille au bout, soit de ses... En disant, ouais, voilà, je vais faire attention aux sous. Ou alors qu'il va maintenant au bout de ses conneries et qu'il change pour faire venir un entraîneur entre guillemets chevronné. Là, il aura encore complètement faux. Moi, maintenant, je fais confiance à. Tant pis, il arrive ce qu'il arrive. Mais Youssef Sif, donnez-lui sa chance. Voilà. Il y a des clubs qui ont déjà. Qui étaient mal et qui sont basculés avec l'entraîneur du U19 nationaux et qui ont remonté la tête. Et moi je pense que maintenant, il faut c'est le moment d'avoir sa chance. Ouais, mais le problème, je crois qu'il n'a pas les diplômes. Pigeot, il avait des dérogations. Alors, par contre, ce que je ne sais pas, c'est. Je pense que tu n'es pas obligé d'avoir de suite ton entraîneur dès le prochain match. Je pense que tu dois avoir. Un laps de temps, je pense que c'est un mois. Ouais, il me semble que c'est je pense que t'es pas obligé d'avoir de suite le mec. Je pense pas que le règlement est comme ça. Moi, c'est les gars. Mais il faudra. Moi, je dis que là, c'est bien, c'est quelqu'un qui connaît la maison. Quelqu'un qui connaît les jeunes qui sont peut-être capables de monter en une. Parce que on voit, d'ailleurs, il y a combien ça. Comme je me rappelle, on suivait ensemble l'équipe, quand il avait l'équipe réserve. Là, il y a eu Morgan et Andriani. Mais si on l'aurait laissé faire. Sincèrement, on n'aurait pas que ces deux. On avait largement à avoir. On aurait pu avoir 4-5 joueurs de cette équipe qui composeraient la une maintenant si on l'avait laissé faire. Alors moi, je suis persuadé que pour moi, c'est le bon moment de lui donner sa chance. Après, bon ben, vu comme ça marche à Toulon, je pense pas qu'il aura sa chance. Mais moi, personnellement, c'est le bon. Une bonne fois, je pense pas qu'il peut l'avoir. Ce que je te dis, c'est une question aussi de. Ben ouais, le diplôme, ouais, tout à fait. Parce qu'il y a des noms qui circulent, mais bon, non. Il y a des noms, mais... Lui, il a l'esprit toulonnais, il connaît la maison. Ça, c'est un avantage, je pense. Tu vois, c'est vraiment un gros avantage avec de connaître la maison. Lui, il la connaît, il connaît tout le monde. Je pense que tous les joueurs doivent le respecter, même ceux de la une. Moi, je pense que ça serait... Voilà. Moi, ça serait moi. Maintenant, je tenterai ça. Ouais. Voilà. Non, mais Tolo-Cartier, par exemple, Tolo et Cartier ne viendront pas. Hein. D'accord. Voilà. C'est... En tout cas, à l'heure où je te parle, hein. Mais ce qui est certain de moi, ce que je sais et ce que j'ai pêché comme information, c'est que, voilà, si on ne donne pas à un coach les clés du camion, voilà, du style « foutez-moi l'épée, laissez-moi travailler ouais. », je viens avec... Foutez-moi l'épée sur la tête. Ouais, peut-être il y a lapsus. Lapsus, ouais, tout à fait, ouais. Ouais, c'est pour ça, peut-être Youssef Sif connaît la maison, tout ça et tout. Et peut-être que lui, il aura le cran de lui dire à l'entraîneur, écoute, toi, maintenant, toi, à l'actionnaire, lui dire, maintenant, reste à ta place, hein, tu m'as mis, vu le caractère qu'il a, enfin, ce que j'ai déjà vu sur le bord du terrain, tout ça et tout, je pense que lui, oui, il serait peut-être capable de le remettre en place. Peut-être que je me trompe aussi, mais... Enfin, en tout cas, pour l'heure, ça se pose pas, puisque... Il n'a pas les diplômes pour entraîner, donc sauf à avoir un prête-nom, mais qui, j'en sais rien. Ce qui est clair, c'est qu'il y aura certainement... Maintenant, il y a Luigi Zanotti hein, qui peuvent le faire. Mais est-ce que... Oui. Mais est-ce que... Oui, Luigi a entraîné en National et en D2, mais c'était il y a 20 ans, quoi. Ouais, je ne suis pas certain que... Il a un diplôme, je crois pas. Mais Zanotti, lui, les a. Ouais.
Il connaît San Marco, le caractère qu'il a, c'est pas pour lui. Non, mais pas en tant que prêtre, non. Voilà. Ah, en tant que prêtre, ouais. Alors, enfin, mec, comme il disait, du coup, un mec de la pointe qui arrive, là, laissez-moi travailler. Oui. Le président, occupez-vous de votre rôle de président, c'est pas mais quand tu vois Youssef, je pense qu'il aurait, il serait capable de... Je parle, si tu décroches même Youssef, moi je voudrais que ce soit Youssef ou peu importe. Mais Youssef, si tu décroches des 19, au niveau des jeunes, tu vas à des bonnes grades. Hein. Mm. Tu enlèves Youssef des jeunes, là. C'est là, là aussi, hein, au lieu de parce qu'on parle, il a fait que parler dessous, le président. Ah oui, ben, prof. Va au bout de ta connerie maintenant. Tu prends, tu mets Youssef, tu le changes, et vas-y, et tu fais attention au sous, tu ne vires pas Peugeot, tu lui dis, t'es Peugeot, va prendre les 19. Mm-hmm. Oui, non, mais. Est-ce qu'en maintenant, il a parlé de sous, s'il veut continuer toujours pour parler de sous, c'est lui qui n'a pas arrêté de dire, on ne peut pas pour la masse salariale, on ne peut pas pour la masse salariale. Et si maintenant, il veut faire attention à sa masse salariale, eh bien. Youssef, tu vas en une, Peugeot, tu vas au 19. Mis à part ça, il a disparu de la circulation après le match qu'on n'a pas vu. Les supporters voulaient le voir. Ouais, non, mais après bon, sûrement, ouais. Il est sûrement que, de toute façon, maintenant, quoi qu'il arrive, au bout de 10 matchs sans victoire, que ça vienne de lui ou pas de lui, bah, après, c'est obligé d'avoir un changement. Ça, même si on avait le meilleur entraîneur du monde. Au bout de 10 matchs en victoire, ça. C'est comme ça. Hein. Ça, il faut. D'après moi, tu continues, tu vas. C'est logique, c'est une question. C'est normal. On voit qu'on va dans le mur, au-delà des résultats. On voit les joueurs sont paumés, on voit. Ah, mais en plus, il vient pas les saluer, je pense aussi parce que bah, si on se réfère au communiqué qui est sorti cette semaine, voilà. C'est une défiance Mais complètement. Hein, à l'actionnaire. Complètement, hein, puisque le staff et les joueurs. J'étais soutenu, mais voilà. Généralement, mais voilà. Nomme pas. Normalement, ils auraient dû dire le staff, les joueurs. Bon, là, on a individualisé les encouragements sur Peugeot. C'est quasiment une première. Ça s'est jamais fait, même avec des entraîneurs. Même Garcia, on l'a fait même virer. On contribuait à le faire virer. Ouais. Ça n'a mis sûrement pas. Enfin, les derniers entraîneurs qu'ils ont fait monter. On n'a jamais eu la montée internationale est proche, donc il reste un peu là-dessus quand même. Ouais, mais là, depuis 10 matchs, là, c'est parti, je veux dire, c'est moi, Londres, moi le totem, ça fait un moment qu'il a perdu l'immunité, moi, à mes yeux. Mais après, bon. Ouais, ça fait 3 mois, quoi. Finalement. Oui, mais 3 mois, mais ça fait 10 matchs sans victoire. Ouais. Ça fait une situation inquiétante. Ah, donc, c'est ça. Et le prochain rôle, à Branche, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ouais. À Branche. Et on reçoit ? Bah, c'est pour vous. Ouais. Voilà. Ouais. D'ici là, il y a la réunion de crise dimanche, c'est ça ? Dimanche à 10h, ouais, réunion de crise. Ouais. Peut-être qu'il y a 10 matins, d'avant matin, on va avoir une première page. Avec un nouvel entraîneur ou je sais pas, un nouveau staff, je sais pas. Ou une belle communication du Sporting sur leur page. Voilà, une belle communication du Sporting. Officielle d'où je suis banni depuis des années. T'as jamais insulté. Pardon ? T'as jamais insulté. Ah, jamais. Ça. Jamais, c'est pas possible. Vous avez posé des questions pertinentes, j'imagine. Je pense que si on n'aimerait pas le club, on serait pas à soi. C'est ça. Non, mais c'est sûr, mais après. Voilà, mais le club, il faut voilà, toujours faire c'est le club, quoi. Le club. Nous, on essaye toujours de. C'est pas les hommes, quoi. C'est pour ça, on n'est pas, des fois pas compris, ben, c'est pas important. Et si on est insulté, c'est pas grave. Et puis devant nous, encore. C'est pas un souci. On a notre. Voilà, c'est notre. On ne dit pas la vérité, etc. Mais. On a un certain vécu du Sporting, on a toujours essayé de. Avec Anto, il a créé le MAO, c'est pour porter le Sporting, mais sûr, pas pour porter autre chose, avec une vision, des valeurs, etc. Après, si ça doit déplaire, c'est bon. Eh ben ça déplaît. Ça déplaît. D'ailleurs, ça déplaît. Il y en a... ouais, je pense que si le coup était autant. Parce qu'on est, mine de rien, on critique beaucoup, mais on est proche aussi des joueurs, du staff, etc. On y était mardi, entraînement, tout s'est très bien passé, quoi, je veux dire. Ouais, ouais, mais. Même si on mettait une calotte. Ouais, oui, même si ça a pu être un peu. Ouais, mais. Non, mais je veux dire, si d'autres tendu, personnes font les mêmes choses. Ah oui. Ils peuvent rentrer dans les faits et. Non, on est. On est dans le secte, mais si on doit dire les choses, on les dit. Alors, là, je veux dire,
personne s'en est pris aux joueurs, de toute façon les joueurs... Ils sont, on voit très bien qu'ils font ce qu'ils peuvent. Moi je pense que là, franchement, ils sont dans une galère. Mais non, quand ils sont venus devant la muraille, c'était vraiment bien comme moment. Ouais. C'était bien. On les sent désolés. Ils sont même peinés, je dirais. Oui. Ah oui, mais complètement. On est peinés, en fait. On est peinés, parce que vous voyez, c'est pas ça tout le long. C'est pas ça. De toute façon, quand... Bah, mardi, hein, quand on était à l'entraînement, voilà, tu vois que... Enfin, ils le disent, quoi, que ils sont désolés d'être dans cette... Voilà, à cette place au classement, dans cet état, enfin, je veux dire... C'est son âge, le joueur, si ça fonctionne pas, c'est qu'autour... Parce que dans cette situation, ça n'a pas de sens, quand même. Tu te lèves pour être entraîné, tu connais la situation, au niveau classement, t'es pas bien classé, dans la tête, faut que... C'est dur à vivre, tu ne vas pas t'entraîner, même que, je dirais pas le tableau, même mieux tableau, si tu es mieux tableau, tu vas t'entraîner autrement, tu vois. Ouais, bien sûr. Moi j'ai vu qu'au niveau des jeunes, tu ne vas pas t'entraîner quand tu es dernier, mais quand tu es mieux tableau en haut, hein, l'humeur, l'engouement c'est pas le même. L'humeur des joueurs, c'est pas pareil. Après, de toute façon, ça, je crois que c'est tout le monde qu'on compatit, joueur, entraîneur... Tout le monde. Ça va vite en foot, hein. Ah oui, il y a pas longtemps. Ça va très très vite, hein. Il y a deux mois. C'était magnifique et aujourd'hui, la joie. C'est pour ça qui est terrible. Et même à la mi-temps de Bourg-en-Bresse, on est heureux. Ah ben oui, tout à fait, Ah oui, on espère 45 minutes, ça y est, c'est le doute, t'es malheureux, et après tout s'enchaîne. Ouais. Ouais. Même la semaine dernière, ouais. Ça, la 92e, c'est ça, oui, c'est ça. Et à la 92e, tu fais la grimace. Ouais. Ouais. Tu es grand dessus. C'est ça. Et plus souvent, plus c'est compliqué. Même là, même j'en veux pour ce qu'il a fait à Joy au niveau de ce qu'il fait sur plusieurs années. Quoi. C'est les mêmes erreurs, voilà, c'est tout ce qu'on peut lui reprocher et tout. Après, même lui, j'arriverai à comprendre qu'il soit vraiment aussi dans la tête dans le cul, parce qu'il a quand même, il a quand même sauvé le Sporting d'une mort annoncée. Il injecte quand même de l'argent tous les années et tout. Mais voilà, là lui aussi, il doit être mal. C'est presque d'autant plus incompréhensible qu'il fasse parfois des erreurs, hein, parce que ça part de lui, hein, forcément, cette situation. On ne peut pas se cacher. Il peut en vouloir à son entraîneur de pas avoir su masquer toutes les incohérences et incompétences qu'il y a dans le club, parce qu'un bon entraîneur peut permettre ça. Mm. Donc là, toujours, il ne lui a pas permis ça, mais voilà, si on prend que cette année, le premier gros coup contre le club, entre guillemets, pas renouveler Karim. C'est pas renouveler Masmoudi, mais ça part de là, et puis après il y a plein de choses. Alors c'est pour ça que là j'attends vraiment. Là c'est lui. Et là j'attends. Là, on le voit, ouais. C'est pour ça là je dis j'attends vraiment de voir ce qu'il va faire. Alors s'il prend un entraîneur gogo et qu'il a pas renouvelé Karim, et en plus de ça qu'il va devoir des indemnités à Peugeot, alors là c'est pour ça je dis. Là, vraiment. Pour perdre 10 euros, là tu peux en dépenser 100, 1000 ou 10 000. C'est ça. Tout à la limite de voir toujours par le prisme de la finance. Et puis derrière, c'est le nouveau, c'est certain à mon avis, il y aura nouveau. Mais s'il y a nouveau, tout dépend de qui c'est, il va falloir qu'il sorte le porte-monnaie. Et puis peut-être l'autre il va arriver, il va lui dire oh, maintenant il me faut ça, ça et ça, si tu veux qu'on s'en sorte. Exactement. Ouais. Il va falloir d'abord dégraisser, ça on en parlera sûrement. Ah oui, dégraisser, ça c'est... on en avait déjà parlé de toute façon. Ouais. Pour recruter de vrais titulaires qui t'apportent un plus. Ça sera la seconde étage de la fusée. Il va falloir arriver à s'en séparer aussi. Et après, il y aura la configuration du club, c'est encore un autre. Ça marche bien, hein. C'est facile à dégraisser des joueurs. Ça veut dire que les joueurs sont bons, tout ça et tout, mais quand on est en bas, faire partir des joueurs. C'est comme ça. Écoutez, on va arrêter là peut-être, hein, parce que de toute façon, on va finir par tourner en rond. Et puis, en plus, lundi, on enregistre le débrief à vif avec. Le Rascachot, oui, pardon. Rascachot sera le numéro 18. Et puis, on a une petite idée qui nous a été fournie par notre ami Fabien. Voilà, ça fera encore certainement des amis, mais c'est pas grave. On n'est pas là pour faire des amis. Sur les amis, On est là pour l'entité sportive, nous. Ce serait une surprise, cette... C'est pas une surprise. On tease pas. Ce sera dans la continuité de ce dont on a parlé lors de l'épisode 17. Donc, chers amis supporters,
merci de nous avoir suivis. Courage. Bon week-end, Carmen. Ouais. Ah, ok, bonne soirée. Et puis, videz-vous la tête, bonjour, passez un peu à autre chose. Voilà. De toute façon, c'est la fin d'un cycle, là, et on va repartir sur autre chose. Hein, tout à fait. Voilà. Bon, on va dire ça. On va dire ça. Merci. Bonne soirée.